5e et dernier sortie journal Mitan Journée pour semaine ça. Bonsoir tout le monde et bienvenue. Tout de suite, nous démarrer avec information yo dans 4 visites dans différentes institutions qui concernent dans dossier Petro-Caribéa. Premier ministre Jean Risséan, chita parlé jeudi 8 novembre là à Conseil supérieur pouvoir judiciaire dans local li sous route frais. Chef gouvernement fait qu'on ait discussion yo pas chita seulement sur dossier Petro-Caribéa, yo té abordé l'autre sujet qui gain à ouais avec renforcement système judiciaire. Il y a un extrait dans le micro Anne-Marguerite Auguste et l'Aurore d'Arly Jean-Jacques. Dans la rencontre que nous avons fait avec le CSPJ, dans le cadre global des questions relatives aux besoins de renforcement de notre justice, toujours dit, il y a une séparation des pouvoirs que réclame la démocratie. Mais la meilleure séparation des pouvoirs, c'est l'harmonie entre les pouvoirs, sans ingérence dans les pouvoirs, sans empiètement dans les pouvoirs. Donc, un changement des futurs, instructif pour tout le monde. Côté que nous posons un petit problème, un petit monde qui croit c'est seulement Petro-Caribé. Évidemment, il y a Petro-Caribé. Nous pas qu'à faire en hypocrisie pour l'attendre là, pour question Petro-Caribé, va poser. Mais il y a beaucoup plus que ça. Songez, nous avons un budget qui est pour sortir et dans le budget, nous parlons en pile de composants de budget. Nous parlons de apaisement, nous parlons de création d'emplois, nous parlons de relance de l'agriculture, relance de la production nationale et nous ne pouvons pas parler de l'apaisement dans le pays sans que nous ne parler de la justice. De la justice, c'est le premier vecteur de l'apaisement. Nous venons justement nous poser problème là et nous garder budget même côté. Budget, la justice là, pas refléter ça nous-mêmes nous faire de la justice, pas refléter ça la justice là, vous voyez, nos pays, nous connaissons qui fragile comme ça, nos pays côté grand pile corruption, grand pile contrebande, donc il n'est pas normal que le budget de la justice soit déjà mis. Donc nous posons pile problème, évidemment, nous arrivons par une question Petro-Caribé, nous voyons côté le livre de la compilation des résolutions. Au CSPJ. Mais ça me plaît tout pour comprendre, c'est que le CSPJ est le même qui croit que la justice. Hein. Donc, si il y a des juges qui veulent gagner pour traiter la question de Caribé, commissaire gouvernement, mais c'est normal que la question vienne et nous débattons un peu de questions, sans entrer dans la trajectoire judiciaire du dossier. Mais nous étions seulement un but que nous liés, nous toutes, des faiblesses de notre justice, nous tous connaissons à tous les niveaux. Et bien, nous parler de lit, mais nous parler surtout de renforcement des possibilités, des besoins de la justice. Et nous dire à tous les niveaux, nous parler de même le logement, où, là où se trouve le tribunal, là où se trouve le palais de justice que nous avons amené, avec maintenant les colonnes et les lions. Nous avons amené ça. Là, c'est cet espace qui impose le respect, eh bien, nous parlons d'un pile bagaille. Est-ce que c'est côté tribunal là, est-ce que c'est là pour le est-ce que c'est là pour le loger distribution faite de l'IA. Donc nous parlons d'un pile bagaille et évidemment nous parlons de Petro-Caribé. Et stabilité, c'est un moyen pour garantir le développement d'un pays. Parole Premier ministre Jean-Henri Seyan qui annonce que les mesures prennent pour combattre l'insécurité sous toute forme. Licité intervention la police dans le village de Dieu qui expliquait qu'il n'a pas arrêté bras croisés devant Zach insécurité. Premier ministre Jean-Henri Seyan annonce tout que les mesures prennent pour faire fin d'année pour permettre à la population étrangère qui rentre dans l'époque ça, passer fête dans la paix. Toujours dans le micro, Anne-Marguerite Auguste avec l'Aurore d'Arly Jean-Jacques. Nous tous, c'est haïtiens, nous sommes censés et nous avons tous besoin d'un pays qui est capable de fonctionner comme n'importe quel pays. Un pays qui permet des gens de sauter. Un pays qui protège nous ne risque de chambardement et de chaos. Un pays qui protège le dialogue entre les différents strates de la société et entre tout le monde dans la société. C'est certain que il est bon que la population manifeste, que le peuple a manifesté,
que moun revendiquer, que moun réclamer, ça ce à quoi il a droit. Il est bon que manifestation fait. La seule chose nous dit, faut que fait pacifique. Faut que la police prenne disposition pour ne pas quitter aucun débordement fait, pour ne pas répondre à aucune provocation. Et bien, les mesures sont prises et nous sommes en train de dialoguer avec tout le monde. Nous sommes en train de parler avec tout le monde, de prendre les mesures sociales, les mesures politiques et évidemment les mesures d'assainissement, d'apaisement. Nous prenons toutes mesures pour que nous ne pas tomber dans aucun chaos. Par exemple, personne qui n'a aucun profit, personne qui sait dans le pays, a bien profit dans le chaos. Nous menons notre travail pour que tout le monde comprenne les problèmes de ce pays doivent se résoudre dans le dialogue permanent entre nous-mêmes les Haïtiens. Nous avons un espace de dialogue. Côté que, il faut que nous continuions à parler l'un à l'autre. Mais pas monde qui va détendre, il faut que nous parlions avec eux. Eh bien, dans le gouvernement, ça a été de ma conception et aussi de celle du président de la République. Si c'est aller dans un remaniement qui est capable de permettre que nous jouions un apaisement, mes amis, pourquoi pas? Tout, aucun sacrifice n'est au-dessus de l'amour que nous avons pour le pays. Quel que soit ça que vous faites pour que Haïti, jodi, ait un apaisement, pour que tout citoyen joue une sécurité, pour que nous-mêmes vivions dans le pays, pour que le pays ça, ne pas inspirer la peur, pour que le monde ne panique pas, pour que le monde ne panique pas, pour que tout le monde sente à l'aise, pour évoluer, pour que le monde circule bien sans aucun problème, pour que la vie nocturne soit capable de prendre. Pourquoi pas? Quel que soit le sacrifice que vous faites, la folle, faites. L'autre dossier, ministre économie et finance, Ronald Décembre, démenti information qui t'a fait quoi? L'État a annoncé l'État haïtien a monté prix gaz là dans jour cap vini yo sous marché. Ministre Décembre qui t'a porté précision sous grand orientation budget 2018-2019 l'a fait connait, pas gain aucun monde qui cap prouver l'État fait une déclaration sous monté prix produits pétroliers en Haïti. Nous invitons à suivre. Il n'a jamais été question de ça. Il m'a dit ça me dit. Moi, je te dis en tout premier lieu que, et c'est ça que je souhaite, que pour que je ne me parle pas tenu, il était spécifiquement porté sous le budget de la République. Budget 2018-2019. Là. C'était d'abord une séance de travail d'idée qui était organisée et qui pouvait permettre que tout le monde appréhende de ça qui est dans le budget. D'ailleurs, c'était les grandes orientations du budget que je t'ai présenté. Je t'ai profité pour me présenter tout cadre macroéconomique. Je t'ai profité tout pour me présenter les indicateurs macroéconomiques. Pour me dire que nous avons une situation de fragilité, notre situation de précarité en matière de finances publiques. Et ça me dit. On te dit tout que nous enregistrons un déficit budgétaire que nous n'avons jamais enregistré dans le pays. C'est ça me dit. Nous avons révisé dans les données de Bayo, on te dit que nous avons révisé à la baisse les ressources qui pourraient financer le budget 18-19 là. Parce que dans le budget que tu as déposé avant juin, tu as 20 milliards de gouttes de recettes pétrolières qui n'est pas capable de percevoir. Ça veut dire que c'est zéro taxe en termes de recettes pétrolières. Ça veut dire que tu n'as pas de perception qui t'a faite sur les recettes pétrolières. 20 millions de gouttes, ça, moi, je t'ai bien expliqué, je t'ai dit que dans le budget qui prêt à le déposer là, un gap de 20 milliards de gouttes. Mais moi te chita avec l'administration fiscale pour que nous diminuions le gap là de 5 milliards. De sorte que le gap là passé de 20 à 15 milliards dans le budget. Moi te dit tout que GAPSA est reparti entre les différentes institutions en dans l'état. Budget, son budget à la baisse, l'ivinier. Budget pas capable de gagner même enveloppe qu'il était gagné avant, en termes de puisque recette l'a diminué, à cause du fait que recette pétrolière n'a pas capable de faire, eh bien,
recette là diminue, dépenses qui viennent diminuer tout. Il m'a dit que dépenses qui étaient diminuées, c'était dépenses qui étaient portées, qui étaient concernées achat de biens et de services. Et c'est toute administration, tout organisme qui est dans la maison centrale là, qui a supporté ben ça. L'autre point d'avancer, moi t'ai dit que l'État a subventionné le gaz là. Et c'est là qui point névralgique là. Moi dit l'État a subventionné le gaz là. Mais subvention n'est pas à joindre masse peuple là. Subvention sont subventions qu'à les joindre un petit point monde. C'est eux qui bénéficient de subvention gaz là. D'ailleurs, ils ont dit que côté m'te dit on fois que eh ben gaz va l'augmenter de temps à temps. Côté m'te dit gaz va l'augmenter de tel montant tel le. Ma chambre dit bah comme ça. Poser une problématique, mettez problématique là à la sagacité, à la réflexion de tout le monde dans la société là pour comprendre. Ministre Affaires sociales et travail là Marie-Élise Brisson-Gelin accompagné directeur général Fonds assistance économique et sociale là Charles Ernest Châtelier, directeur caisse assistance sociale là Woodley Simon pour tes précisions sous mise en place différents programmes sociaux ministère a fait pour nouvelle année fiscale là. Jeudi 8 novembre là ministre Affaires sociales là Marie-Élise Brisson-Gelin fait connait gain environ 47 sous 71 restaurants communautaires qui déjà a fonctionné dans la région métropolitaine là. D'après ministre là, gouvernement a travaillé pour renforcer action directe programme social yo nan peyi a pour toucher plus moun. En suivre. Actuellement, nous gagnons dans aire métropolitaine là 47 restaurants qui fonctionnent à plein rendement. Nous te gagnons 775 restaurants ou m'ka di nous gagnons 775 restaurants parce que li est étalé sur tout territoire là. Mais comme exercice fiscal l'a fini et nous à peine à recommencer bien que budget nous pour voter mais nous recommencer puisque président de la République l'a insisté pour nous adjoindre population et pour nous porter tout support possible pour eux. Donc actuellement dans Port-au-Prince là et Pétionville frère nous gagnons 47 restaurants qui a fonctionné et nous avons intention continuer davantage au fait dans Port-au-Prince nous avons un minimum de 71 restaurants communautaires dans côté économique là on programme que y les crêpes. Crêpes là c'est caisse populaire d'épargne et de prêt. Nous gagnons depuis quelques années qui a fonctionné. C'est un programme côté yo prêter des artisans de l'argent pour renforcer ça yo gagner. Nous gagnons Ti maman chérie. Ti maman chérie c'est un programme qui allait vers maman petite qui dans l'école. Ti moun yo l'école et l'œil a fait contrôle dans l'école là nom ti moun qui gagne, yo bay chaque maman sa yo yon chèque. Et ceci se fait 4 fois l'an. Yo fait la rentrée scolaire, yo fait à la fête de fin d'année, ensuite nous fait la Pâque et ensuite à la fête des mères. Nombre ça, normalement, c'est plus que 150 000. Après un temps de nettoyage, il vient passer à 120 ou 121 000. Ensuite, il vient à 28 000. Et aujourd'hui, à date aujourd'hui, pas aujourd'hui, hier, il est passé à 57 000. C'est un nombre qui a augmenté parce que nous avons des enquêtes que nous menons à l'école. Côté monial sur place, à vérifier le nombre de timoun et le nombre de mamans qui gagnent à l'école. Là. Parce que c'est une enquête qui a continué pour nous arriver à 120 000 ans que le président a demandé. Processus ça que nous avons mené. Côté directeur général, Fonds assistance économique et sociale à Charles Ernest Châtelier, qui t'a porté précision sur le programme Ti Maman Chérie a fait qu'on est environ 57 000 mamans qui inscrit dans le programme ça. Objectif programme ça, c'est arriver toucher 120 000 bénéficiaires. Jean-président Jovenel Moïse Mandel, directeur caisse assistance sociale là, Woodley Simon Soubopal, annoncé qu'il va mettre sous pied programme métier MC Avenim qui visait aider jeunes dans le domaine formation. Nous invitons à suivre. Données, si maman chérie, c'est des données qui sont dynamiques, qui sont pas statiques. Ils sont appelés pour évoluer au jour le jour. Les mises en te parlé, les mises en te gagné données dans le domaine qui te dit, qui te gagné tant chiffres. Je vous dis, chiffres ont évolué.
Parce que l'autre parle de paiement, nous avons une brigade qui est sous place, c'est chaque jour. Brigade yo aller, pour brigade payer, pour brigade distribuer coupon, pour payer. Mais nous privé dans une situation côté que depuis un maman qui touchait, nous même dans FAES, nous avons moyen pour nous voir que maman touché. Parce que nous en live avec la compagnie qui a fait, qui a payé maman pour nous. Nous en live avec elle. Jodi a, hier nous avons 57 000, jodi a nous avons passé à 60, 61 000. Jusqu'à ce que au 30 novembre, dernier jour, côté que nous avons fini distribuer coupon et pour nous finir payer, d'ici 3-4 décembre, toute maman qui ne peut pas recevoir comme nous mettons pour nous, nous avons dit maman ça, nous parlons encore, nous parlons programme, nous allons remplacer par d'autres mamans que nous allons faire recensement dans même l'école que nous allons, nous allons jouer maman, nous allons faire dans l'école, nous allons faire recensement dans même l'école ça pour nous compléter base de données. À travers les restaurants communautaires, nous allons voir quantité de jeunes dans chaque zone. Cap gain pour apprendre soit dépannage branché téléphone, jeune apprendre poser un bloc, jeune apprendre poser céramique, par approche par compétence de 90% pratique, 10% théorie pour rapidement pour jeune ça au lieu que là camper devant boîte l'état pour demander 500 pour demander 1000 gouttes, mais jeune ça rapidement capable gain énergie outillé assez pour que capable faire 500 gouttes ça pour capable besoin famille besoin qui côté la formation ça qui est dans la formation bayo la caillou. Donc c'est aux alentours dans zone côté que gain restaurant communauté on a bail chaque jeune ça on place par jour donc il a bénéficié place choix et puis ensuite n'a tout fait formateur à venir joindre pour capable bailler formation la caillou. MAV à l'écoute, c'est un centre d'information responsable dans le ministère haïtien qui vit dans le pays étranger, inauguré jeudi 8 novembre dans le local ministère. Centre d'information, ça a gagné plusieurs lignes téléphoniques avec une ligne électronique qui pral permettre au ministère de recevoir doléances diaspora haïtienne et puis satisfaire les besoins. Nous invitons à suivre. Centre information tout neuf ça pral renforcer connexion ministère ak haïtien k ap viv dans divers pays à travers monde lan et puis répondre ak ensemble besoin yo genyen. Il s'agit pour nous au sein du ministère d'un projet qui accorde une importance particulière à cette catégorie d'haïtiens qui comme tous les autres haïtiens doivent pouvoir bénéficier de tous les services disponibles dans l'état d'Haïti. La diaspora doit être apprendre de manière active dans tous les domaines qui concernent Haïti, le pays de la diaspora. C'est en effet sur cette base que nous lançons aujourd'hui le projet MAV à l'écoute, lequel s'adapte justement à la politique de l'État à travers la mission du MAV qui, comme vous pouvez le constater, s'attelle à la tâche pour la rendre effective. C'est un espace qui va répondre aux différents besoins d'information et d'orientation des Haïtiennes et Haïtiens de la diaspora. Conseil général ambassade pays États-Unis, Scott Boswell, qui est une parmi diverses personnalités qui étaient présentes dans l'activité inauguration ça, félicité l'initiative ça pendant le renouvelé engagement ambassade là pour continuer de travailler en collaboration avec le ministère. J'espère que ce centre servira comme une entité très utile pour les Haïtiens vivant à l'étranger de revenir, investir et agir pour le bien-être de ce pays. À l'ambassade des États-Unis, un des plus grands devoirs pour moi, pour mon équipe et pour l'ambassade en général, c'est d'aider nos citoyens qui se trouvent en Haïti. Et de plus en plus souvent, en fait, c'est des citoyens qu'on partage qui sont de double nationalité. On les assiste avec toutes sortes de questions, que ce soit renouvellement de passeport, enregistrement des enfants qui sont nés ici en Haïti, parfois les cas d'urgence, parfois les cas légaux. Nous sommes très très heureux d'avoir avec ce centre encore une autre possibilité de travailler ensemble avec Madame la Ministre, la MAV et le gouvernement d'Haïti. Pour Kounia, il y a plusieurs lignes internationales qui sont disponibles pour diaspora haïtienne qui vivent dans l'État Miami, Boston, New York, et pays Canada, Brésil, Chili et puis République Dominicaine. Pour clôturer l'activité, ministre haïtien qui vit dans le pays étranger, remettre Naomi Osaka,
yon plaque honneur ak mérite et puis yon tableau Fanila Hakim réalisé. Jeudi 8 novembre 2018 ça marque tout 24e anniversaire existence ministère haïtien Cap Vive l'autre bord de l'eau. Commission intérieure à collectivité territoriale Chambre députée rencontré jeudi 8 novembre avec ministre intérieur Jean-Marie Renaldo Brunet, avec directeur général ministère Fednel Monchéri et puis directeur service immigration et émigration ancien Culi Joseph. Parole sous affaire Van Visa dans ministère intérieur, surveillance sous frontière Haïti et Saint-Domingue dans cadre contrebande tenamitant discussion. Commission fait diverses recommandations avec ministre intérieur pour corriger toute bagay kap mal machi. Deus Deronet nan micro Fedien Confident ak Wilson Idore. Suite à la rencontre du 8 novembre 2018. Pour pallier à la problématique qui paralyse le bon fonctionnement du ministère de l'Intérieur, la commission intérieure, collectivité territoriale et décentralisation fait les recommandations suivantes. Le ministère de l'Intérieur doit se conformer aux prescrits de l'article 12 du décret du 17 mai 1990 fixant les règles appelées à définir l'organisation et le fonctionnement du dit ministère. Le ministère doit prendre toutes les mesures de droit pour poursuivre et punir les fraudeurs conformément aux lois du pays. 3. Vu la situation lamentable de l'organisation, le fonctionnement et le financement des collectivités territoriales, la commission recommande au ministre de renforcer les activités de formation pour ces dernières, tout en mettant un accent particulier sur les CASEC et les communes de troisième classe qui sont les plus vulnérables. Constituer une commission d'enquête permettant de faire la lumière sur la situation de gestion catastrophique des frontières et de produire les rapports nécessaires sur le bien fondé des cas de corruption dans la question de formation à l'étranger destinée aux collectivités territoriales. Prendre des mesures administratives contre le coordonnateur national des frontières et les ou les comptables nommés de façon irrégulière au poste d'immigration aux frontières et de mettre l'action publique en mouvement contre eux. Dissoudre la brigade frontalière irrégulière et d'œuvrer au renforcement des institutions étatiques destinées à cette tâche, par exemple la brigade douanière, la police nationale d'Haïti, l'OAVCT et l'immigration. Sous Bopal, ministre intérieur à collectivité territoriale, la Jean-Marie Renaldo Brunet dit, yo pral mette en application ensemble recommandation membre commission intérieur à fait yo. Ministre Jean-Marie Renaldo Brunet dit, ministère a déjà pris mesures administratives contre coordonnateur frontière qui gagne mauvais accusation sous Doli dans affaires contrebande. Toujours dans le micro, Fednel Confident ak Wilson Idore. Nous rencontrer avec les parlementaires et poser nous des questions et gain deux points et nous élucider avec eux, mais gain deux points qui étaient vraiment et dans l'ombre et que nous gain pour nous retourner là et pour venir élaborer sur eux pour peut-être porter plus lumière pour parlementaires. Mais et en fin de compte ils ont fait nous deux recommandations que nous gain là et que au banou que nous parler et regarder dans quelle mesure nous effectivement appliquer mettre recommandations ça et appliquer yo. C'est de formation que nous avons gagné pour et que direction générale la direction générale lui-même t'a gagné pour élus locaux yo a dit et magistrat Kazek Azek et par rapport à ça et surtout sur protection civile et par rapport avec et formation qui a commencé et direction générale là te dit que il va élargir cadre là justement pour nous qui gens qui a fait l'autre monde bénéficier de formation ça parce que c'est des volontaires et que il va faire volontariat et que le plus souvent c'est monde ça aucun besoin donc il va dans quel cadre du TK peut-être élargir dans sens ça et une impression bah la devine gain et petit problème là dedans question ça donc il y a des monde qui
profiter et de situation ça pour faire de bagages personnels. C'est pas ça, c'est par rapport à ça qui fait que et il dit que tu gagne trafic et de vente de visa. Et je pense que le directeur général là assez lucide sur ça parce que lui même dans question et qui concerne lui personnellement, il dit ça, il dit gagne deux monde qui était dans effectivement dans question ça que qui dans prison que arrêté et gagne deux monde qui a fait objet d'enquête pour voir qui gens peut-être et monde ça été impliqué dans question fraude ça pour voir s'il a arrêté et mettez eux dans prison. N'a pris une courte pause, pas déplacé, n'a tourné. Dans la page internationale, Yang Long, un ancien soldat 28 l'année, c'est auteur fusillade qui fait Thousand Oaks, là, une ville qui est tout près Los Angeles, en Californie, côté 12 monde ont perdu la vie mercredi passé. Betty, pour plus de détails. Ville Thousand Oaks en deuil après fusillade qui était la cause 12 moun perdit la vie au la nuit de mercredi 7 novembre nan. C'est Yang Long, un ancien soldat américain 28 l'année qui posait Zaksa. Yang Long t'a servi dans l'armée américaine sorti août 2008 pour arriver mars 2013. D'après information CNN mettait d'ailleurs les joints dans l'archive ministère de défense américain. Yang Long t'a servi dans le pays Afghanistan pendant 7 mois. En après, il est retourné aux États-Unis. Depuis les salles, vivent gros stress et puis santé mentale n'est pas en forme. Autorité a écarté possibilité pour s'éteindre aux actes terroristes. D'après une organisation non gouvernementale, c'est 307e fusillade qui fête sous territoire américain depuis commencement année 2018 là. Dernier fusillade là, c'était dans une synagogue dans la ville Pittsburgh qui était tué 11 mouna. Dans le sport, sur le plan national, après le président de la République, la Jovenel Moïse, de recevoir l'île dans le palais national, superstar tennis mondial, là, Naomi Osaka, a visité AEG Dia, Ville Jacmel. À l'étranger, basketball NBA, Milwaukee bat Golden State, hier soir, 134 à 111. Nous invitons à suivre. Après que le président de la République, la Jovenel Moïse, et la première dame, Martine Moïse, fin recevoir l'île dans le palais national, superstar tennis mondial, la Terrani, jeudi 8 novembre 2018, là, dans Ville Jacmel, qui c'est Ville Papal, prend naissance, François Léonard, numéro 5 mondial, la Terrani, recevoir un accueil chaleureux. Dans la cité Alcibiade pour Mirac, côté famille Osaka a profité d'inaugurer l'école dans Mon OG, qui porte le nom International Outreach Association, qui est fondée par Papa Lee François Léonard. Le sentiment, c'est que nous sommes très contents et que nous avons un accueil qui est très chaleureux. Comme nous connaissons, Moun Jacmel, c'est Moun qui est très hospitalier. Comme nous connaissons, sport en général, son bagage qui m'a dit en pile entraînement. L'elle est venue l'année passée, il n'y a pas de gagner un tournoi et comme vous voyez, après, il vient visiter. Moment arrivé, mes téléspectateurs, pour nous recevoir collaboratrice nous, Madame Selom, pour toute nouvelle sous condition temps. Bonsoir tout le monde, nous comptons pour nous avec aujourd'hui pour prévision météorologique week-end. On a vu comment les conditions sont sous la région. Il y a un creux en surface qui est relié au sud-est de la République dominicaine. Et creux ça a influencé l'île d'Haïti au cours de journée, demain samedi et pendant le week-end. Mais masse d'air est plus ou moins stable sous le pays. Cela veut dire que nous avons un temps qui est mitigé au cours de week-end. C'est quelques activités rapides que nous avons gagnées. Soirée et au cours de nuit là et activité la piste à isoler. Pour jeudi à un journée, nous avons un temps qui ensoleillé sous majorité département. Nous avons commencé à gagner quelques développements nuageux en après-midi et en soirée. Et au cours de nuit, nous avons possibilité de gagner quelques activités rapides sous quelques départements, même si c'est isolé avec quelques coups de l'orage. Mais région nord pays d'Haïti a concerné. Département Artibonite avec le centre l'ouest, à la rigueur le sud-est et l'extrême sud-ouest a concerné par activité rapide. Demain aussi, c'est un temps cap encore ensoleillé sous majorité département. A bien quelques activités rapides en soirée au cours de nuit là et aussi même pour dimanche ces mêmes caractéristiques là au cours de week-end là. Cela veut dire que nous allons profiter de week-end dans beau temps en journée pour nous aller faire tourisme et ensuite profiter aller à la plage. Pour capitale avec zone qui environne l'eau, son capitale aussi cap vu de un temps qui plus ou moins stable sous capitale avec zone qui environne l'eau. N'a bien un temps qui ensoleillé au cours de journée là, quelques activités rapides
en soirée et au cours de nuit là, sauf que n'a gagné une température qui monte jusqu'à 33 degrés Celsius, ça fait un peu chaud sous pays là, mais la nuit on a senti fraîcheur parce que température a descendu jusqu'à 22 degrés Celsius sous capitale là avec zone qui environne Lyo, mais demain avec dimanche c'est pas longtemps qu'à beau au cours de journée avec quelques activités la pluie en soirée ou au cours de nuit là, mais c'est toujours des averses isolées avec quelques coûts l'orage. La mer li agité sous majorité côte nouyo, surtout vers côte nord pays d'Haïti et côte sud, mais golfe de la Gonâve pas rien trop souci. Capitaine yo capable naviguer seulement faut éviter non fond la mer parce que la fond la mer n'a bien mer qui a agité et parfois même faute, mais auprès des côtes capable naviguer correctement. Et pour page astronomique là, sur la couche jeudi à 5h13 et l'a levé demain matin à 5h54. Merci pour fidélité avec attention. N'a pas croisé lundi pour l'autre page météo. Bon week-end à chacun de vous. C'était avec nous Wilner Polidor pour prévision météorologique journée. Et c'est là, amis téléspectateurs, nous mettons bout dans la dernière sortie journal mi-temps journée pour semaine ça. Nous remercions pour attention et fidélité. Restez sur TNH pour reste programmation. Bon week-end. Bye bye tout le monde.